Bonjour les enfants, aujourd'hui encore, je suis très ravie de vous raconter une histoire. Le titre c'est Dans les pas de papa. On y va? Allons Thibault, en avant, on y va. Oui mais papa, je peux pas marcher comme toi. Tes pas sont bien trop grands pour moi. Je n'y arriverai pas. Attends Thibault, tu vas voir. Papa, regarde-moi. Je peux marcher comme toi. Regarde comme je suis grand, papa. Bravo, Thibault. On continue? Viens. Mets tes pas dans les miens. Oui, mais papa, je peux marcher comme toi. Mais mon sac est bien trop lourd pour moi. Je n'y arriverai pas. Attends, Thibault. Tu vas voir. Papa, regarde-moi. Je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac. Regarde comme je suis grand, papa. Bravo, Thibault. On continue? Viens, mets tes pas dans les miens. Oui, mais papa, je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac, mais la rivière est bien trop large pour moi. Je n'y arriverai pas. Attends, Thibault, tu vas voir. Papa, regarde-moi. Je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac, je peux traverser la rivière. Regarde comme je suis grand, papa. Bravo, Thibault. On continue? Viens, mets tes pas dans les miens. Oui, mais papa, je peux marcher comme toi, je peux porter mon sac, je peux traverser la rivière, mais la montagne est bien trop haute pour moi. Je n'y arriverai pas. Attends, Thibault. Tu vas voir. Papa, regarde-moi. Je peux marcher comme toi. Je peux porter mon sac. Je peux traverser la rivière. Je peux gravir la montagne. Aujourd'hui, Thibault, rien n'est trop grand pour toi. Et surtout, pas tes bras, papa. Ils sont juste bien pour moi. Allez papa, viens, mets tes pas dans les miens. Et voilà l'histoire de Thibault avec son papa. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Au revoir les enfants, à bientôt.